Bienvenue dans ce JT, tout de suite les titres de cette édition. Ils ont réalisé l'exploit. L'AS Pontoise Cergy a remporté samedi le match aller de la Ligue des champions de tennis de table, la finale. Une victoire 3-1 face aux grands favoris de la compétition, les Russes d'Orenbourg. Match retour le 30 mai. Les images de l'exploit de samedi dans ce journal. Rassemblement à Cergy samedi contre les nouveaux rythmes scolaires. Des maires de droite sont venus le dire devant la préfecture. Ils n'appliqueront pas la réforme à la rentrée. Samedi se déroulait également la 10e édition de la Nuit des musées à travers tout le Val d'Oise. Nos équipes se sont rendues à Ogny au château de Grouchy où c'était la première nuit des musées. Pontoise Cergy en route vers l'exploit. Le club de tennis de table valdoisien s'est imposé en finale allée de la Ligue des champions ce samedi. Une victoire 3-1 face aux Russes d'Orenbourg. Pourtant double tenant du titre devant un public en folie, les pongistes pontoisiens ont su se transcender. Ils devront maintenant s'imposer lors du match retour le 30 mai prochain en Russie. Le reportage de Florian Philippe. Ils ont réalisé l'exploit. L'AS Pontoise Cergy a remporté le match aller de la finale de la Ligue des champions de tennis de table. Une victoire 3-1 face aux grands favoris de la compétition, les Russes d'Orenbourg. Devant plus de 800 spectateurs, les Pontoisiens se sont transcendés pour offrir le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que toute l'équipe a très bien joué ce soir, tout le monde était bien concentré. Pour gagner face à l'une des meilleures équipes du monde et la meilleure d'Europe, nous devions être à notre meilleur niveau. Et je crois que nous avons tous été excellents ce soir. Le match avait pourtant mal débuté pour les Pontoisiens. Le leader de l'équipe valdoisienne s'inclinait lors du premier match face au quatrième mondial, Dimitri Ovtcharov. C'est le chinois de l'ASPCTT qui a lancé son équipe. Après cette belle victoire, Christian Carlsson a doublé la mise pour Pontoise. Le jeune Suédois de 22 ans a fait preuve d'une expérience étonnante pour s'imposer 3-7-1. Devant un public en fusion, Marcos Freitas est revenu sur le terrain pour finalement emporter le point de la victoire. Une soirée magique pour le club valdoisien. C'était une soirée exceptionnelle à tout point de vue, pour le spectacle sportif qui a été présenté, je pense. Hein. Je pense que les 900 spectateurs qui étaient présents en ont pris plein les yeux. On a montré aussi que le tennis de table, c'était quand même un grand sport et que quand c'était bien pratiqué, quand c'était bien joué, que ça pouvait être un spectacle exceptionnel. Gagner la première manche, bon, on sait que rien n'est fait, mais en tout cas, gagner la première manche avec les champions, 900 spectateurs, une ambiance incroyable. Tout était parfait. Désormais, la victoire finale tend les bras à Pontoise Cergy. Le club se rendra le 30 mai prochain à Orenbourg pour tenter de décrocher la première coupe européenne de leur histoire. Et vous pourrez retrouver une interview de 15 minutes du manager de Pontoise Cergy, Christian Adam. Après la partie magazine de ce JT, il revient pour nous sur cet exploit. Dans l'actualité, également ce rassemblement à Cergy samedi contre les nouveaux rythmes scolaires. Des maires de droite sont venus le dire devant la préfecture du Val d'Oise. Ils n'appliqueront pas la réforme à la rentrée. Des parents avaient également fait le déplacement. Le reportage de Marie Pré. Ils ne relâchent pas la pression contre les rythmes scolaires. Ces parents d'élèves, soutenus par des élus de droite, se sont donné rendez-vous samedi matin devant la préfecture de Cergy. Pour les maires de Saint-Prix, Ogny et Herblay, il n'est pas question d'appliquer ces nouveaux rythmes à la rentrée 2014. On a expliqué que dans cette considération, dans ces mesures-là, nous n'ouvririons pas l'école le mercredi matin. On en a averti les directeurs d'école, on en a averti l'inspecteur d'académie qu'on a reçu hier. Et en conséquence de quoi, voilà, on continuera à faire comme l'année dernière. Pour nous, c'est très simple, nous demandons donc une dérogation. J'ose espérer que les choses avanceront dans le bon sens, ne serait-ce que sur un nouveau report de la mise en application de ces rythmes-là. Je souhaite vraiment que l'État décide donc au cas par cas, pour les villes comme nous qui ont le plus de difficultés, de décaler à la prochaine en 2015. Même discours du côté des parents d'élèves, ils mettent en avant le bien-être des enfants.
j'ai décidé que mes enfants, qui sont en maternelle, n'iraient pas le mercredi matin. Ils resteraient à dormir. Parce que quand je vois actuellement les difficultés qu'ils ont à se lever le mardi et le vendredi, la journée du mercredi est vraiment bénéfique pour qu'ils dorment. C'est bien simple, comme n'importe quelle rentrée, mes enfants n'iront pas à l'école le mercredi. Je considère qu'ils ont droit à leur journée de repos le mercredi et j'espère qu'ils continueront à faire leurs activités sportives et culturelles du mercredi. Ça sera une entrée normale comme les autres. Je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit d'ici là. On soutiendra le mouvement de toute façon. Il ne reste plus que 4 mois avant la rentrée 2014. Dans l'espoir de faire plier le gouvernement, ces élus, parents d'élèves et enseignants, participeront à une manifestation nationale contre la réforme des rythmes scolaires. Ils défileront ensemble à Paris le 24 mai prochain. On reste à Cergy où la ville s'apprête à réviser son plan local d'urbanisme lors du conseil municipal du mois de juin. L'objectif, pouvoir intégrer de nouveaux projets comme la rénovation des Trois Fontaines ou encore la création de Port Cergy 2. Ce projet, pas attendu avant 2018 au mieux, est au stade des études. La mairie réfléchira ensuite à son financement. Je propose d'écouter à ce sujet le maire de Cergy, Jean-Paul Jandon. Il est au micro de Florian Philippe. Nous menons actuellement des études hydrauliques pour regarder la faisabilité. Et puis, si ces études sont positives, à ce moment-là, on engagera les études de faisabilité. Mais il faut déterminer que ce terrain-là est bien pourvu pour faire ce port. Et vous le savez, samedi se déroulait la 10e édition de la Nuit des Musées à travers tout le Val d'Oise. Nos équipes sont allées faire un tour à Ony, au château de Grouchy. La ville proposait une journée placée sous le signe de la littérature. C'était la première Nuit des Musées pour la ville d'Ony, l'occasion de faire découvrir le contenu de la future médiathèque qui ouvrira ses portes au dernier semestre 2015. Exposition de livres, ateliers artistiques. Je vous propose d'écouter Karine Baudouin, c'est l'organisatrice de la Nuit des Musées. On s'est dit, on va présenter les livres d'artistes qui ont été achetés par cette médiathèque, voilà. Et puis on va en profiter pour faire la fête de la Nuit des Musées. Donc ça a donné cette journée programmée sur le 17, où toute la journée c'est festif, c'est rencontre. Il y a une artiste calligraphe, Stéphanie Devaux, qui vient présenter ses œuvres. La librairie du Ciel qui vient vendre des tirages limités, de très beaux tirages limités. Et puis, il y a un atelier avec une artiste, Isabelle Fèvre, qui met la main à la pâte et qui va apprendre à une quinzaine de personnes à fabriquer, à créer un livre d'artiste. Alors, on vous l'a dit en ouverture de ce JT, la victoire de Pontoise-Cergy en tennis de table. Mais nous allons maintenant voir les résultats des autres clubs sportifs du Val-d'Oise ce week-end. Et on commence par le foot et l'entente Sannois-Saint-Gratien qui a fait match nul à l'extérieur, 1-1 face à Ivry. Les Val-d'Oisiens sont 7e du championnat de CFA. En CFA 2, nouvelle défaite pour Saint-Ouen-l'Aumône face au Maccabi Paris, 3-2. Les Saint-Ouennais sont 6e de leur championnat. Et puis une défaite aussi pour les handballeuses de Cergy qui jouaient leur dernier match du championnat. Les Tigresses se sont inclinées d'un petit point face à Cannes. Score final 33-32. Elles occupent la 8e place du classement. Les Tigresses qui, je vous le rappelle, se maintiennent en D2 féminine. En roller hockey, belle victoire à domicile des joueurs de Garges-Lègonesse face à Bordeaux dans le cadre des demi-finales du championnat. Championnat de France de National 1, 7-2. Le match retour à Bordeaux aura lieu dimanche prochain pour une place en finale. Et puis pour finir, victoire des Cougars de Saint-Olomone. Les Félins qui évoluent dans le championnat élite de foot US se sont imposés à domicile face aux Centurions de Nîmes. Score 64-37. Ils terminent 6e et devront passer par un barrage face au premier de la Conférence Nord de la Division 2 pour se maintenir. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Ils ont réalisé l'exploit. L'AS Pontoise-Cergy a remporté le match aller de la finale de Ligue des champions de tennis de table. Une victoire 3-1 face aux grands favoris de la compétition, les Russes d'Orenbourg. Le match retour se déroulera donc en Russie le vendredi 30 mai. Merci d'avoir suivi cette édition. L'info continue sur vionews.fr. À demain. De la ficelle, des clous
et un bon marteau, voici les outils de base d'Agathe Lebled. Cette tapissière, installée à Cergy Village, restaure des chaises, des fauteuils ou des canapés. Son but, redonner vie à des meubles usés par le temps. Je les ai dans des états pas possibles, je les récupère dans des états pas possibles. Et à force de travail, à force de persévérance avec l'objet, on arrive à en faire quelque chose de très très bien. Agathe n'a pas toujours été tapissière, c'est une reconversion. Après une carrière professionnelle dans le transport, elle décide à 40 ans de changer de vie. Aimant chiner et passionnée par les brocantes, elle effectue un stage de formation chez un artisan tapissier. Quand le stage a été terminé, je me suis dit pourquoi pas le faire pour moi, pour mes amis. De fil en aiguille, quand je parlais autour de moi, on s'est aperçu que finalement, les tapissiers, on a toujours un fauteuil à refaire, on ne sait jamais vers qui se tourner, on a du mal à confier ses objets. Et puis, il y a 2 ans de ça, j'ai décidé de me lancer. Agathe se lance et crée la chaise d'Agathe. Pour l'instant, son atelier se trouve chez elle dans un coin aménagé. Pour trouver des clients, elle expose dans les salons et profite du bouche à oreille. Aujourd'hui, elle va récupérer des fauteuils chez une cliente rencontrée par hasard. Je l'ai rencontré bizarrement dans une pharmacie en fait. Je l'ai entendu parler et je lui ai demandé si effectivement elle était tapissière et si elle pouvait s'occuper de mes fauteuils. Et donc elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je pourrais venir voir. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, bizarrement. Pour Agathe, cette paire de fauteuils est le début d'une nouvelle aventure. Pour cette femme, qui déteste s'ennuyer, ce n'est que du plaisir. Le plaisir, il est dans le changement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne refais la même chose. Dès que je commence un nouvel objet, je recommence une aventure. Même si c'est fait partie de la paire, encore plus quand je change de client, quand je travaille différents styles. Enfin, il y a vraiment une diversité de techniques, de matières, l'échange avec les clients. Enfin, bon, c'est vraiment le fait de ne jamais m'ennuyer. Pour Agathe, l'avenir de son entreprise se conjugue au pluriel. Elle souhaite trouver un lieu pour travailler et exposer avec d'autres artisans du Val d'Oise.